Après avoir parcouru 22 km entre Kribi et Longi, il est temps pour la team Kribi Vélo Club de retourner du côté de Kribi. Le retour sera à l'image de ce qu'a été l'aller, à savoir groupé au début, puis en rang dispersé. Dans les images qui suivent, je vais vous laisser voir un peu comment a été notre retour. Alors, ce que vous voyez souvent à la télé là, autour de France, voici ça que vous voyez en direct. Le gars poursuit le camion. Après cette échappée, je dirais, je me suis retrouvé presque seul. Enfin, presque parce que Il Warren est a dû là! revenir pour me chercher, se moquer de moi. Le diable par la queue devant les cyclistes discutent sur la moyenne horaire à adopter. Ils ont décidé d'augmenter la cadence et je l'ai tout de suite vu en regardant ma montre vers où je me situais. Me rassurer, j'ai décidé d'accélérer également et de dépasser le temps. Mais très vite, Warren m'a fait comprendre que ce n'était pas une bonne idée de ma part. Il ne faut pas plaindre le vent. Pardon? Il ne faut pas plaindre le vent. C'est-à-dire? Vous voulez le vent. Ah. Avec un vélo de route est beaucoup plus simple que de rouler avec un VTT. Et les kilomètres qui ne faisaient que passer me l'ont confirmé. Parce que le peu de temps a décidé de s'en aller, j'ai dû me résigner. Continuer la route tout seul. Donc en mode de solitaire que j'ai traversé l'hôtel Taz, situé à quelques encablures
de l'échangeur à l'entrée de la ville de Kribi. Et lorsque devant moi, j'ai aperçu un vétéran, quelques fous d'un majeur. C'est bon, vétéran, en bas. En bas. Les jeunes m'ont laissé avec leur vélo de course. Respecte l'âge. La TKVC a décidé de me laisser entrer à Tradex en premier. C'est ainsi que j'ai passé tour à tour barré. Aristide, Gabi. Puis Eddy, pour rentrer triomphalement dans la station Tradex au bout de 42,8 km de parcours.